ce midi. Merci. Est-ce qu'on va s'en sortir? Merci infiniment. Source intarissable de bonheur et d'inspiration, l'amour rassure, valorise, rend plus créatif, renforce la confiance en soi, transforme, permet de se surpasser. La liste est loin d'être exhaustive, mais je préfère m'arrêter là pour m'intéresser à l'histoire d'un monsieur qui a été touché en plein cœur par les flèches de Cupidon. Il souhaite partager avec nous la métamorphose que l'amour a provoquée dans sa vie. Vous êtes à ce midi, bienvenue à tous. Au sommaire de ce grand amour, que dis-je, au sommaire de ce rendez-vous, Souleymane Camaraté vient déclarer sa flamme pour sa chère et tendre épouse, Bamba Amisara. Grosse surprise dans cette émission, la star mondiale du reggae Tikenja Fakoly sera notre chroniqueur du jour. Et comme d'habitude, nous aurons bien sûr Docteur Philo pour la touche d'humour. Contenu assez palpitant et pimenté, je vous invite à rester en notre compagnie parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et c'est toujours dans cette belle ambiance que nous ouvrons les portes de cette émission. Merci infiniment, merci beaucoup. Que serions-nous sans vous, franchement? Alors, Docteur Philo, comme je disais, notre chroniqueur humoriste est là depuis maintenant 7 ans avec nous. Et il arrive toujours à nous arracher des fous rires. Philo. Toujours plein d'amour. Hein. Docteur Philo, pour vous. Merci. Merci. Oh, je vous aime, on parle d'amour. On va beaucoup s'aimer dans cette émission. Ouais. Je vous aime, je vous adore. Et Caro, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui, de parler d'amour. Et vous voyez, avec cet accoutrement, l'amour dans la sagesse surtout, parce que j'ai pris une résolution en cette année, nouvelle année 2022, c'est que je vais aller à l'essentiel dans toutes les actes que je vais poser. Voilà, je ferai plus de, je dirais pas de préliminaire, mais je vais pas tourner autour du pot. J'irai droit au but. Quand je vais poser un acte, je vais le poser. Et puis, ben voilà. C'est aussi l'amour de son prochain, l'amour de la vie. Et puis, ben voilà, ça fait plaisir. Et j'ai cette canne de l'amour qui est là, canne de la sagesse. La voilà. Canne de l'amour. Voilà. C'est très bien. Et notre invité du jour, vous le connaissez certainement, Souleymane Camaraté, plus connu sous le pseudonyme de l'Homme Saga. Il est promoteur de spectacles et gérant d'une structure événementielle, également conseiller en marketing digital. Merci d'applaudir très fort pour Souleymane Camaraté, notre invité témoin du jour. Ça va bien, Souleymane? On n'est pas un peu tendu, non? Ça va? Non, ça va. Ça on est quand même habitué au feu des projecteurs, hein? Pas vraiment. Pas vraiment, sur Facebook, très voilà. Prolixe, sur les réseaux sociaux. Ah, justement, donc tu on rebondit un peu sur tous les sujets, n'est-ce pas? J'étais là à le rappeler d'entrée, Souleymane Camaraté est quelqu'un d'assez timide. Donc, ah bon? En réalité, il ne faudrait pas que ça étonne les gens. La timidité même est étonnée, voilà. Parce qu'on nous voit tellement bouillons sur les réseaux sociaux. La timidité est étonnée. Bon, on va dire, c'est peut-être un grand timide qui se soigne, hein? Bon, voilà, c'est ça. Bah, donnez-moi l'adresse de votre médecin parce que j'en ai besoin aussi. Hein. Ok, après. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, Souleymane sera là. Je rappelle le thème du jour. Souleymane Camaraté, je veux témoigner mon amour à mon épouse Bamba Amisara. Elle a changé ma vie. Et comme tous les mardis, vous le savez bien, nous avons un chroniqueur qui est forcément une star. Et aujourd'hui, on a fait fort. Nous sommes allés chercher cette star mondiale, figure incontournable du reggae en Afrique et dans le monde. Il s'est engagé à être le porte-parole du peuple, le porte-parole des sans-voix, sinon la voix des sans-voix. Son titre, Ongomi, continue de faire tache d'huile. Nous allons avoir en prestation cadeau pour vous, pour tous les amoureux et pour tous les fans du reggae, Tikenja, en prestation. Ils ont raison, je préfère le peuple. Certains disent que je suis un traître. Ils ont raison, je suis avec le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant. Ils ont raison, le peuple est mon roi. Hey. Ngo, jenina, nye, jenina. Ngera, komiye.
Ils ont raison, je préfère le peuple. Certains disent que Fakoli c'était. Ils ont raison, je parle pour le peuple. Et d'autres disent que je suis un rasta. Ils ont raison, Dja Dja est mon roi. Tant que le peuple aura faim, quand on augmente leur gain, tant que le peuple sera dans la galère, quand on se promène dans des palais, Rastafari dira non, 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 non. Reggae music dira non, 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 non. Oh, Jelina, yeah, Jelina. Get up on me, get up on me. Oh, Jelina, yeah, Jelina. Get up on me, get up on me. Oh, Jelina, yeah, Jelina. Basé sur le régionalisme, tant que le peuple sera pas réconcilié, il restera divisé. Rastafari dira non, 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 non. Reggae music dira non, 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 non. Le monde est chaud, Tiken. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Mais quelle énergie, quel talent, quelle prestance. Merci. Franchement. Merci. Alors, on sent sur la scène que vous êtes un grand sportif, quoi. Votre façon de sauter comme ça dans l'air, moi, j'ai toujours été impressionnée par cela. Et franchement, merci d'être sur ce plateau. C'est avec un grand bonheur qu'on vous reçoit. Merci. Et qu'on vous reçoit pas. En tant qu'invité spécial, on l'a déjà fait dans cette émission, mais aujourd'hui, vous êtes l'un des chroniqueurs à côté de Dr Philo, c'est-à-dire que vous avez le même statut que Dr Philo aujourd'hui. Ouais, et j'ai le plaisir de vous présenter notre invité témoin du jour, Souleymane Camarate, qui est forcément un petit frère à vous. Exactement. Et qui est sur ce plateau pour déclarer sa flamme, malgré sa timidité. Voilà. Il nous a dit qu'il est timide, donc on va cuisiner ensemble, Souleymane, à propos de son amour pour Bamba. C'est vrai qu'il a déjà déclaré, on le sait, il est passé par beaucoup de démonstrations. Mais aujourd'hui, on va savoir si c'est vrai, si c'est vraiment vrai. On a des détecteurs de mensonges. Souleymane, Tikenja est là, on est ensemble. On va faire cette émission pendant plus de 40 minutes. On sera donc ensemble. Alors, pour faire de plus ample connaissance avec notre invité, nous allons écouter ce récit signé Raymond Hadji. C'est parti. Tout est parti de là, de sa rencontre avec Bamba Amisara, une artiste chanteuse révélée au grand public à travers l'émission de télé-réalité Star Tonnerre, dont le chemin va croiser celui de Souleymane Camagaté, dit l'homme saga, qui deviendra son époux. Jusqu'en 2016, ce promoteur de spectacle a une relation plutôt évasive avec les femmes.
Puis vient un enchaînement de circonstances qui change sa vision de la femme. Ce qui le marque chez Bomba Misara, c'est son honnêteté et sa sincérité. Pour lui, ce sont des qualités qu'il recherchait intrinsèquement dans chacune des femmes qu'il rencontrait dans le passé. Depuis, l'idylle se prolonge et se consolide. Et ce mardi, c'est un homme reconnaissant de l'amour de sa femme à qui il doit sa stabilité qui vient lui rendre hommage sur le plateau de ses midis. Et comme je vous conseillais, ils se marièrent et eurent de nombreux enfants. Alors, côté jardin secret, Tikenja, on n'en parle pas souvent, hein. On parle de votre carrière, mais on ne parle pas beaucoup d'amour. On parle souvent d'amour. Oui, c'est vrai, je ne parle pas de ma vie privée parce que moi, je suis un soldat au combat. Donc, voilà. Mais on aimerait quand même savoir, Tikenja est marié. Bien sûr. D'accord. Je pense qu'à 53 ans ou 54 ans, si on n'est pas marié, c'est... Bon, ce n'est pas une question de base en même temps, parce que moi, je connais des gens qui ont 60 ans et qui ne sont pas encore mariés. Je suis marié, bien sûr. Et si on parlait un tout petit peu du concert à Odiené, il paraît que ça a été un vrai carton. Oui, le concert à Odiené s'est bien passé. Voilà, on était à la maison avec... voilà, donc il y avait des milliers de personnes au stade. C'est cela. Voilà, je pense qu'ils sont venus un peu accueillir le fils du village. C'est cela. Voilà. Parce que c'est Odiené qui a vu un peu le début de ma carrière. Hein. Tout à fait. Voilà, donc, toute la galère. Toute la galère. Les vrais moments de galère. Et on avait les premiers vases au CD. Donc Odiené connaît mon histoire. Ouais. C'est cela. Donc je pense que ça leur fait plaisir toujours de venir voir un peu ce que leur fils est devenu. C'est ça. Donc ils étaient là nombreux et ça s'est bien passé. On va dire... Vous êtes allé vous voir. Exactement. Pour certainement préparer... le prochain album, c'est bien ça? Oui, il y a un single qui sort. Il y a une sortie en vue? Ouais, un single qui sort le 7 janvier. D'accord. Ça s'appelle le gouvernement 20 ans. Après 2 mai, là? Voilà, exactement. Wow. Mais après, avant ça, il y a... Enfin, ce week-end-là, je joue à Dakar. D'accord. Un festival qui s'appelle Dakar Reggae Festival. Mm-hmm. Et donc, voilà. Et puis, après, il y a une tournée africaine. On doit aller au Niger, en Guinée-Conakry, et au Burkina Faso. Voilà. Comme pour le moment, il n'y a pas de concert en Europe, donc je pense que c'est important de profiter du fait qu'il y a des possibilités ici. En tout cas, l'ennui n'a pas de place dans votre vie, hein. Ça, on le voit. Alors, Souleymane Camaraté, j'aimerais bien rappeler le thème de ce jour. Souleymane Camaraté, je veux témoigner mon amour à mon épouse, Bomba Misara. Elle a changé ma vie. Votre amour, vous mangez. Donnez-nous aussi. Alors, on va revenir un peu sur les circonstances. C'est vrai qu'il a résumé sur les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré Bomba Misara. Je l'ai vu pour la première fois, je crois, en 2016, à Yopougon, à la rue Princesse. Mmh. Une soirée que j'organisais pour un artiste. Elle était venue faire la première partie. OK. Donc, mais avant ça, vous la voyez à la télé parce bien sûr. C'est une célébrité. Oui, je la voyais à la télé. Vous étiez un fan? Oui, à cette époque-là, oui, bien évidemment. Avant la rencontre. Oui, en ce moment, il n'y avait pas trop d'artistes, surtout féminines. Donc, voilà, on était tous fans. Voilà, mm-hmm. J'étais aussi fan d'elle depuis Star Tonnerre jusqu'à maintenant. Ah, depuis Star Tonnerre. Oui, depuis Star Tonnerre. Hein. La vérité va sortir aujourd'hui. Ouais. Mais fan, hein, fanatique. Ouais, je comprends. Mais vous n'avez pas eu peur de l'approcher parce qu'approcher une artiste, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir à la télé. Si. L'approcher comme ça. Après la soirée, le lendemain, je lui ai fait un message sur sa page Facebook. Je lui ai dit en tout cas, j'étais un fan. Bon, puis j'avais trouvé quelques petites anomalies sur son compte Facebook. Voilà, parce que n'importe qui l'a tagué, donc je trouvais qu'il y avait... c'était trop brouillon. Donc j'ai profité pour lui donner quelques conseils en lui disant que ce n'était pas vraiment professionnel, donc voilà ce qu'il fallait faire. Donc comme elle ne maîtrisait pas, il fallait que je lui explique. Donc là, pour lui expliquer, il faut que tu me donnes ton numéro de téléphone. Ah, tout à fait. La vraie technique d'approche. Eh bien, on vient juste de poser les bases de cet échange. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. C'est une émission qui sera palpitante et pimentée. Ouais. Alors, docteur Philo, on vous retrouve tout de suite pour votre chronique. Yes, sir. C'est docteur Philo. Avec toute la sagesse que j'ai, je suis
C'est un immense bonheur pour moi d'avoir à mes côtés mon grand frère Tchikendja de tous au Djeneka. Alors je lui dis, chez nous, quand on donne la parole au petit frère, quand le grand frère là, il demande la permission. Bro, Ebra, tout le monde est en haut. D'accord, c'est là. C'est là. C'est là. Mais c'est pas une faiblesse. Traduction. Je lui ai demandé la permission. Voilà, il dit. Voilà la route. Ah, d'accord. C'est la route seulement, il m'a donné. Il m'a rien donné d'autre. C'est super. Alors, mais c'est l'amour, moi je dis, la femme peut changer, c'est pas une faiblesse, hein. La femme peut changer notre comportement, il n'y a pas de souci. J'ai la même histoire, hein. Moi ma femme, c'est une faux, elle a changé aussi mon comportement. Ah, vous êtes mariée? Bon. Non, mais attends, carrément. Elle vous embarrasse la question. Mais les gens... En tout cas, c'est autre chose. Non, mais les gens risquent de vous en vouloir, mais vous travaillez avec Philo, vous n'essayez pas son statut. Mais Philo, il ne va jamais inviter à son mariage, bon. Il ne va jamais présenter quelqu'un. Peut-être qu'il fait comment? Peut-être que votre numéro ne passait pas ce jour-là. Mais je veux dire... En tout cas, elle, quand elle est partie au village, elle est Senfo. Quand elle est allée à Korogo, et puis elle est allée se promener sur le mont Korogo, quand elle est revenue, mon comportement a changé. Peut-être que c'est ce sale comportement qu'elle allait déposer sur le mont Korogo là-bas. Alors je lui dis, maintenant tu m'attends. On ne sait jamais. Le jour on n'est pas ensemble, le moment je ne le souhaite pas. Le jour on n'est pas ensemble, va prendre mon sale comportement, viens me donner, je vais avoir une autre femme. Parce que tu... Mais c'est bon. La femme, on le dit, la femme c'est le maillon essentiel, la femme c'est l'éducatrice de la maison. Donc la femme peut, parce que chacun de nous vient avec son comportement. Vous aurez pu peut-être changer elle, son comportement, mais vous êtes adapté à je sais pas comment dire, à elle, son comportement. C'est pas celle qui vous a assimilé à tout ce comportement-là. Donc c'est une bonne chose, c'est une forme d'humilité. Et l'amour, c'est, je dis, grand frère, nous on le dit, un fourre mousselé, bro. Voilà, la femme, le foyer est entre les mains de la femme. C'est quoi chez nous les jeunes? Une femme, quand tu es marié à un homme, quand il met tes bagages dehors, tu fais rentrer les bagages. Il met dehors, tu fais rentrer les bagages. Oui, c'est comme ça. On est comme ça. Et quand on l'a dit, peut-être que vous l'avez... Moi, je vous suis un peu. Mais et s'il ne vous aime plus? Hein? On a parlé d'amour. S'il met vos affaires dehors, c'est peut-être parce qu'il est... Fatigué. Je ne dirais pas juste en colère, mais peut-être qu'il ne vous aime plus. Voilà, mais tu fais rentrer. Malgré le manque d'amour. Oui, c'est comme ça. Il y a toujours des interventions. Voilà, il y a toujours des interventions. Voilà. Au dîner ou enfin, en général, pour qu'il y ait une séparation définitive, c'est que tout a... C'est qu'on a tout essayé, quoi. Voilà. C'est qu'on a tout essayé, ça n'a pas marché. Les amis, les oncles, les tantes, tout le monde vient pour qu'on, pour qu'on trouve une solution. Ok. Et donc, je pense qu'on ne se sépare pas aussi facilement. Aussi facilement. Voilà. Et il faut se donner plusieurs chances. Quand il va sortir, tu fais rentrer. Tu donnes de la chance. Ouais. Parce qu'il peut faire sortir, 30 secondes après, il peut regretter. Mais si toi, tu vas, tu as perdu. Ouais. Voilà, tu as perdu. Donc, dis que c'est une bonne chose, nous attendons de voir l'histoire. Puis en même temps, dis aux femmes que quand c'est bon, c'est bon. Voilà, on en parle parce que c'est bon, je dis. Mais quand c'est pas bon, quand on en parle, acceptez aussi. Comment ça? Quand, non, je dis que... Je sais pas. Il est venu témoigner, montrer son amour. Donc aujourd'hui, si on voit quelqu'un venir s'asseoir ici, que je déteste ma femme, que la femme accepte aussi, il ne faudrait pas qu'on le critique pour dire pourquoi tu viens dire à la télé que tu n'aimes pas ta femme. Non, mais pourquoi il viendrait le dire à la télé si ça ne marche pas? Ah, bon, il faut se libérer, mais on il faut le souhaite pas, mais ils peuvent le régler entre eux. Là, c'est quelque chose de positif, donc ça peut aider d'autres personnes, ça peut aider les personnes qui ne croient plus en l'amour, et ça peut consolider d'autres couples, et voilà. Aussi, ouais. Donc, c'est un grand bénéfice pour tous les amoureux, pour tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient là pour témoigner. Mais on ne va pas montrer le mauvais exemple. Merci beaucoup. N'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Docteur Chino, nous allons continuer donc l'entretien avec Souleymane Camarate. Alors, il nous a raconté un peu les circonstances dans lesquelles il a rencontré Bamba Amisara et quelle a été sa technique d'approche. Il a essayé de l'aider, il est allé sur sa page Facebook, il a vu, il a analysé, puisqu'il est dans le domaine du digital, il a vu ce qui n'allait pas. Et puis tout de suite... Il lui a envoyé un message. Voilà ce que tu pourrais faire. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a réellement attiré chez Bamba Amisara? Ce qui m'a réellement attiré, c'est son honnêteté, sa sincérité. OK. Voilà. Parce que c'est quelqu'un de très sincère. Donc, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Mais comment vous avez réussi à la séduire? Parce que Bamba Amisara, c'est une très belle femme. Ouais. Et puis, avec sa notoriété, tout ça, on suppose que... Il y a des hommes qui lui font la cour et puis elle a accepté comme ça. Un jour, un matin, bim, on se réveille sous les mains de Camarate. Bon, je peux dire que... Comment vous avez réussi à la séduire? Je peux dire que quelque part, peut-être, ça a été ma sincérité, mon honnêteté, parce que je ne sais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas.
parce qu'après, ça rattrape. Donc, quand tu dragues une femme, voilà, il faut aller avec tes âmes naturelles. Mmh. Voilà, faut pas dire des choses voilà, que tu n'as pas. Donc, j'ai été naturel et je pense que voilà, ça l'a séduit. Mais quand on entend l'homme saga, bon, c'est un gars du coupé décalé. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez usé, on va dire, de stratagèmes, d'un peu de tapage en plus de votre honnêteté? Parce qu'en matière de coupé décalé, on ne se laisse pas faire. Hein. Ouais. Faut montrer qu'on a de la valeur, voilà. Ouais, mais bien évidemment, tout en restant modeste quand même. Voilà, ne pas exagérer, parce qu'il ne faut pas commencer quelque chose que tu ne pourras pas terminer. C'est ça. Donc, voilà, je suis resté moi-même sur le monde Kamagaté. Voilà, l'homme saga, où je peux l'inviter. C'est là-bas que je l'ai invité. Voilà, ce que je pouvais lui offrir, c'est ce que je lui ai offert. Mm-hmm. Et je pense qu'elle-même, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Tout à fait. C'est quelqu'un qui n'est pas envieux, c'est quelqu'un qui sait voilà, ce qu'elle veut. Donc, voilà, c'est pourquoi elle m'a accepté. Sinon, il y a les hommes qui ont vraiment tout, mais qui sont mariés. Mmh. Voilà, c'est vrai, il peut te donner tout ce que tu veux, il peut t'offrir la richesse, mais elle n'est pas mariée. Mais je pense qu'elle n'était pas à la recherche du matériel, elle était plutôt à la recherche de, voilà, de quelqu'un avec qui elle allait chimier. D'un homme. Elle allait chimier. Voilà. Et elle a trouvé. Alors, vous dites qu'elle a changé votre vie. Ouais. Quel était donc l'état de votre vie avant de rencontrer Bamba Amisara? Bon, moi, je ne le cache pas. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu sur les réseaux sociaux. Les clashs, voilà, les histoires. Voilà, ça n'a pas cessé. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses que voilà, certaines personnes ont vues sur les réseaux sociaux. Et ceux qui m'ont connu avant voilà, peuvent témoigner voilà, de ce changement-là. Parce que, comme je l'ai dit, je ne le cache pas. Moi, avant, je n'étais pas prêt pour femme. Je n'étais même pas prêt même pour me stabiliser, même pour me marier. Parce que, voilà, comme on le dit chez nous, voilà, moi, je voyais les femmes comme... Voilà, comme des... Je ne sais pas si vous pouvez me permettre... Attention à ce que vous allez dire. Voilà. En tout cas, comme des méchantes personnes. Donc après, quand je l'ai connu, ça... Pourquoi? Parce que vous avez eu de mauvaises expériences dans le passé. Pas que j'ai eu de mauvaises expériences, mais j'ai des amis qui ont eu de très mauvaises expériences avec des femmes. Mmh. Voilà, des tromperies, des trucs. Quand ça ne va pas chez toi, après, elle abandonne. Donc j'avais vraiment... Donc vous aviez eu une idée très négative. Une idée très arrêtée. Voilà, des femmes, donc, quand je l'ai connue, voilà, elle a vraiment changé ma façon de penser. Elle m'a donné vraiment envie même de me marier, parce qu'avant, je n'étais pas prêt pour me marier. Mmh. Ouais, j'étais même pas du tout. Vous voulez intervenir? Non, moi, je voulais juste savoir comment vous avez organisé le premier rendez-vous. Est-ce que ça a été facile tout de suite? Ça n'a pas vraiment été facile, parce qu'avant même de nous rencontrer, mmh, on parlait beaucoup au téléphone. Voilà, on parlait beaucoup au téléphone, on échangeait. Vous parliez de quoi comme ça? Non, on parlait parce que elle est artiste. C'est donc, ça. Donc, fallait quand même donner des conseils. Voilà, si c'est sorti, où tu peux partir, ce que mais tu mais c'est peux quel faire. Conseil? Où vous n'êtes pas artiste, vous donnez un artiste. C'est quel conseil? Non, mais je suis promoteur de spectacle, quand même, je suis producteur. Je suis aussi conseiller en marketing digital, donc j'ai quand même une petite expérience. Mmh. Et elle, c'est vrai qu'elle est artiste, mais elle ne maîtrisait pas vraiment les rouages du coupé de Cali. Voilà, les rouages du coupé de Calais, donc fallait la conseiller. Donc, voilà, c'est à travers ces conseils-là. Au fait, vous êtes en train de verrier tout autour d'elle, au fait. Voilà, c'est tout, c'est la vérité. Donc, on se donnait beaucoup de conseils, mais en même temps, il faut dire que même quand on commençait à se voir, on se cachait. Voilà, on se cachait. Elle ne venait que les nuits. Et puis, elle se voilait. Voilà, elle se voilait. Pour quelle raison? Parce qu'on n'était pas. Faut vraiment être sûr. Faut être vraiment sûr de ta relation avant de t'afficher. Mm. On va pas commencer en même temps là, s'afficher et puis la voir en train de venir chez moi, non. Et si ça marche pas, après, donc, je pense que c'est quand on était vraiment sûr de cette relation, quand on a commencé à s'afficher. Ça ne vous dérangeait pas? Non, ça ne me dérangeait pas. Parce que j'ai vu une certaine sincérité en elle. Je ne voulais vraiment pas lui causer du tort. Donc j'ai voulu aller à son rythme. Voilà, allons à ton rythme. Quand tu es prête voilà, à t'afficher, il n'y a pas de problème, on va s'afficher. Mmh. Si tu veux pour l'instant qu'on se cache, il n'y a pas de problème. Moi, mais je respecte cela parce qu'il ne faut pas qu'on s'affiche tout de suite là et puis après, 2 mois, 3 mois, c'est fini. Mmh. Ouais. Donc, on a vraiment attendu d'être dessus voilà, pour s'afficher. Mmh. Mais je veux dire, puisque vous nous disiez à l'instant que vous étiez quelqu'un de très belliqueux, que vous étiez... Également, que vous aviez une idée très, très négative des femmes. Comment est-ce que Bamba Amisara a réussi à vous transformer?
Justement, vous, moi, généralement, quand je sors... Elle doit être une psychologue. Hein. Généralement, quand je sors avec une femme, hein? Je ne fouine pas. Parce que très souvent, quand tu veux fouiner, tu es toujours déçu. Voilà, donc je ne... Souvent, il me cachait, il fouillait dans son téléphone. Bon, non, mais il va m'engager dans quelque chose. Il faut qu'elle soit sur... Non, la partie du film, je n'ai pas compris. Parce que vous dites, généralement, vous ne fouinez pas. Oui, tu ne fouines pas. Mais là, vous cherchez quoi dans son téléphone? Justement, parce qu'elle commençait à m'intéresser. Ah, d'accord. Je voulais vraiment m'engager. Mmh. Et moi, quand je ne veux pas m'engager, même si tu dis, tu t'en vas à Coco Vico, bien, si tu veux, tu vois, tu as deux semaines, ça m'intéresse. Je ne veux même pas te demander ce que tu as fait là-bas. Parce que où il est venu chez elle, savoir, il y a un chagrin d'amour. Mmh. Donc, voilà, pour être sûr que je suis la bonne personne, je m'amusais souvent à fouiller dans son téléphone. Et quand une femme... À son insu, hein. Oui, à son insu. Mm. Et les femmes, généralement, elles ont toujours un code dans leur téléphone. Mm-hmm. Et quand une femme est avec toi, elle n'a pas de code dans, dans son téléphone, c'est que vraiment, c'est une femme avec qui tu peux aller loin. Eh, bien, maman. Bien, maman. Ouais. Parce que les femmes, elles ont toujours quelque chose à cacher. Ça, elles ont toujours des pointeurs. Ça peut, ouais. Ça peut être un piège. Tu vas tomber forcément sur la conversation d'un pointeur qui a te fait reculer. Donc, moi, si elle ne met pas un code, c'est que, voilà, il n'a rien à cacher. Je connais quelqu'un qui a demandé à sa copine, mais pourquoi toi, quand tu es là, on est ensemble, personne ne t'appelle. Du matin au soir, on ne t'appelle pas, ton téléphone ne sonne pas. Est-ce que lui, il a la ça preuve ne veut que pas quand dire il n'est pas là, le téléphone sonne? Est-ce qu'il a cette preuve-là? Il a peut-être... Enfin, il n'a pas de preuve, mais son téléphone, quand on a un téléphone, quand même, arrivé à un certain moment, il peut sonner. Ouais, il peut sonner. Mais si tu as la confirmation que quand tu n'es pas là, le téléphone sonne en ce moment-là, tu peux avoir ces, voilà, cette réflexion-là. Mais quand tu es là, ça ne sonne pas. Tu n'es pas là, ça ne sonne pas. Il n'y a pas de problème. Voilà, pas de problème. Donc, comme je disais, je m'amusais à fouiller. Donc, je fouillais, je ne voyais rien. Et ce qui m'a vraiment tiqué, c'est quand elle a pris sa première grossesse. Je me suis dit, bon, elle est enceinte. Moi, naturellement, je me suis dit qu'elle va forcément lever. Parce que pourquoi garder la grosse? Parce que quand tu es enceinte, là, c'est tous les pointeurs, mais tu fais fuir. Hein. C'est tous les pointeurs qui s'en vont. Donc, j'ai été surpris, agréablement surpris, de voir qu'elle a dit qu'elle allait garder. J'ai dit, tiens, tu as gardé la grossesse de mon Suleiman Kamaraté. Vraiment, c'était un acte. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Mais, tu t'es dit, Natus, ton bon ami, elle peut avoir quand même tout le monde à ses pieds. Elle peut avoir et des ministres. Mais vous fouillez bien dans son téléphone. Vous avez la voix. Parce que tu fouilles dans son téléphone, tu ne vois rien. Elle est la scène pour moi. Oui, mais. Non, mais tu fouilles dans. Mais on ne sait jamais. Peut-être, là, elle est avec toi. Peut-être, vous voyez coucou. Peut-être la fin de sa carrière, là, avec la grossesse. Non, je ne voyais pas tout de suite la fin de sa. Pas que je voyais la fin de sa carrière, mais c'est clair que. Avec sa carrière allait forcément prendre un coup. Prendre parce un coup. Que tu as ta période de maternité, il y a la grossesse, tu es obligé de te retirer de la scène, mais c'est un gros sacrifice. Mmh. Et ce sacrifice-là, elle le fait pour qui? Pour moi aussi, pour porter par mon amour. Enfant. Hein. Et c'était vraiment une très grande preuve. Et je me suis dit qu'elle méritait vraiment voilà, que je l'honore en public et devant ses parents. Terminé, nous sommes, on va dire, à mi-parcours. Hein. Voilà, il est 32, on va partir pour la pub. Mais il est important quand même de mentionner que Bamba Amisara ne sait rien du tout de tout ce qui est en train de se passer. Elle ne sait même pas. Elle est supposée ne même pas savoir que son mari est là. Donc, voilà. Merci Bamba Amisara. Elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'on l'a appelée. On lui a dit, viens, on a besoin de toi à ce midi. Il y a une surprise. Donc là où elle est, il n'y a pas de télévision. On lui a pris ses téléphones. Oh. Elle ne sait pas que Suleiman Kamaraté est là. Bon, comme les femmes ont une intuition développée, peut-être qu'elle va se dire, il est là, mais elle ne sait pas. Ça peut être aussi un fan qui lui a donné rendez-vous, qui sait. Voilà. Elle ne sait pas qu'il y a une grosse surprise, que son amoureux est là sur le plateau pour lui déclarer sa flamme. Et nous, on aime ça. On aime tout ce qui a trait à l'amour sur ce plateau. Alors, en attendant de retrouver Bamba Amisara, on n'a pas encore terminé l'échange. Donc, si vous me le permettez, on part pour la pub et on se retrouve pour la suite de cette émission.
Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Esavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.esavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@esavo.com. Esavo, une solution SGCI. Gonzague Ville avec nous dans ce studio dont la présidente est Poteba Félicité. Et il faut dire qu'il y aura le lancement des activités de l'an 2022 pour le 15 février. L'association des couturiers du marché de Port-Boué également est avec nous. Merci. Merci de votre présence. Eh bien, souffrez que je ne rappelle pas le thème du jour. Parce que Bomba Amisara, je la vois maintenant, je l'aperçois. Elle est juste à quelques mètres de moi. Et je vais m'approcher d'elle, je vais échanger avec elle. Et merci de m'accompagner avec des ovations. N'oublions pas que la star mondiale du reggae est avec nous, Tikenja, qui est donc le chroniqueur de ce jour. Applaudissements pour lui. Toc-toc-toc. Ami, bonne année. Ça va? Bien, ça va. mais pourquoi vous êtes si calme? Mais je suis stressée, en fait. J'ai l'impression que vous êtes un peu anxieuse. Oui, je sais pas qui m'a appelée, en fait. Non, il n'y a pas de quoi. Ça va, vous êtes toutes de rouge vertu, là. Un peu comme moi. Ouais. En fait, tout ce que tu me dis, là, je comprends rien. Mais et si on parlait un peu de votre carrière, Bomba Amisara? D'accord. Bomba Amisara, est-ce qu'on peut dire que Bomba Amisara essaie tant bien que mal de se renouveler? Parce que un peu sur la toile, on voit des photos professionnelles. On a l'impression que c'est quelqu'un qui en veut. Elle veut se positionner d'une de ses manières. Elle veut dire aux gens que oui, c'est vrai que vous avez bavardé, vous avez parlé, mais je suis là, je suis la diva de la musique ivoirienne. Ou bien... Bah oui, on peut dire ça comme ça. Comme je dis, je suis en train d'apprêter, on va dire, la meilleure version de moi-même. Oh, c'est trop mignon. Voilà, je peux résumer ça comme ça, la meilleure version. La meilleure version de vous. Et vous savez très bien, les téléspectateurs le savent, hein, je veux dire, en tant qu'artiste, ceux qui font notre force, ce sont les fans. C'est cela. Ce sont les fans. Un artiste qui n'a pas de communauté aujourd'hui, ouais, surtout avec la chance qu'on a d'avoir les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas une certaine force, difficile quand même de vous imposer dans le milieu. Voilà. Sur toutes les plateformes, c'est les fans. C'est eux qui nous fatiguent, mais c'est eux qui nous élèvent. Donc, on va dire, on est au koi. On est au koi. Ça veut dire, pour ceux qui nous regardent de l'international, on est au koi, ça veut dire on est ensemble. Voilà. Et quel genre de relation vous entretenez avec vos fans, Bomba? On s'attache souvent en commentaire, tout et tout. Sinon, j'essaie de faire entrer mes fans dans mon univers qui n'est pas forcément la musique. Mmh. Parce que j'ai constaté que les fans aiment voir leur artiste ou bien leur célébrité en dehors de leur métier. Par exemple, voir Bomba Amisara avec ses enfants, ils aiment ça. C'est-à-dire Bomba Amisara en train de faire ses activités qui n'ont rien à voir avec la musique. Ils aiment ça. Donc j'essaie de leur montrer, pas tout, mais un tout petit peu pour dire que je suis une personne normale à part la musique. Mmh. Voilà. Et c'est quand même bien, je veux dire, c'est pas mal de le faire. Tout le monde n'a pas le courage de le faire. Bomba Amisara, c'est vrai, on a quand même un pan de sa vie privée. C'est vrai qu'elle n'expose pas tout, mais on la voit avec ses enfants, on la voit avec son mari, l'homme saga, tout et tout. Voilà. Mais vous n'avez pas peur que d'autres personnes s'immiscent dans votre relation, tout ça? Non, j'ai pas peur. Mmh. Voilà, je pense que l'amour et puis s'il y a l'amour et Dieu dans votre foyer, s'il y a quelqu'un qui doit venir, en tout cas, ça sera un vent passager. Mmh. Le vent là, il va souffler puis il va partir. Voilà. Alors, Ami, je suis sûre que vous connaissez un peu le principe de l'émission. Hein. Non. Un tout petit peu. Il m'a maltraité dans la tête, dans le bureau là-bas. Papa, un jour, tu m'as blagué. Là, c'est aujourd'hui, c'est jour de surprise, voilà. Donc, il y a forcément soit quelqu'un qui vient vous remercier, il y a peut-être un fan qui vient
vous dire à quel point il est fan de vous ou il y a peut-être quelqu'un qui vient se plaindre de vous. Vous pensez être dans quelle catégorie? Je ne sais même pas. Peut-être un fan qui vient dire « Ouais, Bomba Amissara, je l'adore! J'aime ses yeux, j'aime sa façon de se déhancher sur la scène, tout ça! » Ça me fera plaisir, en tout cas. D'accord. Sincèrement, moi-même, la musique, là, me stresse. Mais... On m'a donné mon choix, c'est pourquoi? On ne sait jamais. Hein. Vous savez qu'à ces midis, l'émission est tellement naturelle qu'il y a souvent des émotions. Donc, si le fan saute sur vous, que vous vous mettez à pleurer, on fait comment? D'accord. Je suis prête. Vous êtes prête? Yeah. Vous êtes prête à découvrir qui a décidé aujourd'hui de vous faire la surprise? Oui. On va découvrir ensemble à l'écran. Bomba Amissara et moi, on a fait uniforme au... Elle a débuté sa carrière en 2008 avec le tube « C'est Dieu qui est fort », qui connaît, donc qui a connu un grand succès. Cependant, c'est la télé-réalité Star Tonner qui la dévoile au grand public après un parcours qu'elle réussit avec brio. Bomba Amissara, regardez l'écran. Laisse-moi t'aimer, voilà, c'était donc Laisse-moi t'aimer, c'était donc le titre de cette chanson qu'on écoutait à l'instant, cette chanson qui a permis à Bomba Amissara de retrouver son amoureux. Alors, Bomba Amissara, vous n'étiez pas là en début d'émission avec nous. Ouais. Le titre de cette émission, Souleymane Camaraté, je veux témoigner mon amour à mon épouse Bomba Amissara, elle a changé ma vie. Voilà, c'est le thème du jeu. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir, je ne sais pas pourquoi on me donne les mouchoirs. C'était ça. C'était par rapport à l'Homme Saga, voilà. Donc, alors, l'Homme Saga, ouais. Bomba Amissara est là. Ici. Vous vous y attendiez ou pas, Ami? Pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Ben, je suis sortie d'IA ce matin pour aller me coiffer. Quand je suis rentrée, n'était pas là. Mm-hmm. Ok, chou d'IA. Il ne vous a pas dit qu'il sortait, non, il ne vous a rien dit, donc vous arrivez, il n'est pas là. Voilà. Vous soupçonnez rien du tout, rien? En fait, j'étais un peu concentrée sur l'émission, uh-huh. Mais j'étais un peu fâchée parce qu'il ne m'a pas dit où il part. Bon, j'ai dit, attends, je finis l'émission d'abord, puis je m'occupe de son affaire. Voilà. Et vous venez à l'émission, c'est lui qui je est là. Je le trouve là. Alors, comment est-ce que vous êtes parvenue, on va dire, depuis ces quelques années, à maintenir l'harmonie familiale? Bah, je pense qu'on a maintenir déjà la flamme et ensuite l'harmonie familiale. Bon, pour ma part, je pense qu'on a essayé de déposer la casquette de la star. Mm-hmm. Tout ce qui est orgueil, ça reste devant la porte. À la maison, c'est Amissara Souleymane Camaraté. Mm. On est dans la vraie vie. Il n'y a pas de star dans le foyer. C'est lui,
moi, et puis je pense qu'on arrive à... C'est tellement bien dit. Nous, on cherchait à savoir, on lui a posé des questions, on cherchait à savoir ce qui l'a vraiment attiré chez Bamba Amisara. Il nous l'a expliqué. Mais vous, en tant que star depuis Star Tonnerre, vous vous êtes fait remarquer et on voyait que vous étiez une femme d'une grande beauté, tout et tout. Vous aviez beaucoup d'atouts. Mm-hmm. Et finalement, c'est lui que vous avez choisi. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez véritablement trouvé en l'homme saga? Ou qu'est-ce que vous lui trouvez? Je ne veux pas conjuguer au passé. Qu'est-ce que vous lui trouvez? Je peux dire que j'ai trouvé une épaule sur laquelle me poser. Parce qu'en tant qu'artiste, on a beaucoup de propositions. Il y a tout ce qu'il faut pour te rendre n'importe quoi en griffe. Il y a tout ce qu'il faut pour te mener à la perdition. Je pense qu'en tant que chanteuse, pour moi en tout cas, il était important de me poser et de pouvoir fonder une vie de famille. Avec lui, j'ai senti la sécurité, j'ai senti un père. Voilà, parce que mon père, il n'est plus... Voilà. Il ressemble un peu à mon papa. Je ne veux pas avoir de commentaires. Je vais plutôt laisser la latitude à Tikenja. Qu'est-ce que vous en pensez depuis le début de cette émission, le témoignage de Souleymane et ensuite la version de Bamba Amisara qu'on écoute en ce moment? C'est émouvant. Hein? Je pense que Souleymane, il a dit tout ce qu'il avait. Mm-hmm. A dit... pour prouver son amour, sa chérie. Et voilà, moi, je trouve que c'est super. Moi, je voudrais simplement leur dire qu'ils sont un super couple et qu'ils sont très beaux à voir et que je souhaite tout. Merci, papa. Merci beaucoup, Tikel. L'amour, c'est vraiment quelque chose de beau. Si vous voulez, ils vont vous donner un peu. J'ai dit, l'amour, non, c'est doux. Franchement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Parce que moi, même si je vais commencer à vous expliquer l'amour, je pense qu'on ne va pas finir cette émission. Ouais. Donc si on part pour la pub et puis on revient avec le couple Camarate, je pense que c'est encore mieux. À tout de suite. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavu, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavu.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavu.com. Ezavu, une solution SIGCI. Sur le plateau de ce midi, à quelques 3 minutes de la fin, nous allons donc demander à Souleymane Camarate de faire sa déclaration à sa dulcinée. Souleymane, à vous de jouer, on laisse la timidité de côté. Ok, donc je remercie déjà le plateau de ce midi qui me donne là l'occasion de magnifier mon épouse, parce que je l'ai tellement dit sur les réseaux sociaux. J'ai pensé qu'il fallait à un moment donné passer à la vitesse supérieure. Mm-hmm. Donc c'est pourquoi j'ai choisi le plateau de ce midi. Donc devant le peuple de ce midi, devant les téléspectateurs, je tiens à te dire que tu es une magnifique... Non, c'est trop facile. Alors ce que vous allez faire, vous allez vous regarder droit dans les yeux. Comme vous avez l'habitude de faire quand vous vous retrouvez à deux. Bamba Ami, de vos beaux yeux, vous allez le fixer. Voilà. Et il va faire sa déclaration. Donc, voilà, tu es... On n'entend pas, oh. Tu es une... Ok. Donc, tu es une merveilleuse épouse, en même temps, une merveilleuse mère. Merci pour les deux filles, voilà, que tu nous as données. Tu es la meilleure femme que je n'ai jamais connue. Voilà, tu es une épouse adorable. Merci pour ton amour. Merci pour la transformation que tu as apportée à ma vie. Merci pour tout le soutien que tu m'apportes pendant mes vacances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ami, votre dernier mot? Bah,
Merci d'avoir fait de moi une maman. Voilà. Wow. Je t'aime à l'infini. Je t'aime à l'infini. Et c'est donc sur ces mots que nous allons certainement nous dire au revoir. Tikenja, vraiment, on a été très honorés de vous avoir sur le plateau de ce midi. Merci. En tant que chroniqueur, on ne sait jamais. Hein? La reconversion, peut-être dans 20 ans, vous pourriez être un excellent animateur, pourquoi pas. Oui, à la retraite, on verra. À la retraite. Vous avez quelque chose à dire rapidement? Non, simplement saluer tous les Ivoiriens et voilà, on a un beau pays. Ouais. L'unité doit être le sous-bâtiment de notre nation, donc il faut qu'on reste ensemble. Et je souhaite en tout cas une belle vie à ce beau couple et je souhaite qu'ils continuent à vivre en tout cas ce qu'ils sont en train de vivre. Merci. Voilà, bravo. Merci beaucoup, Tiken. Merci à Dr Philo. Merci à notre public qui a été là depuis le début de l'émission. L'Association des femmes en action, Port-Boué-Gonzague-Ville. Également l'Association des femmes du marché de Port-Boué. L'amour est inversé ici, dans ces midis. J'espère que vous avez récupéré le vôtre. Enfin, c'est une façon de parler, c'est-à-dire que vous vous êtes servi. Je veux remercier C'est chez moi qui m'a habillée. Merci infiniment au couple Kamaaté d'être venu. On a l'impression que c'est un jour de Saint-Valentin. Mais l'amour même là, ça se célèbre tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. On vous envoie plein d'amour. Nous avons un cœur débordant d'amour. On vous envoie plein d'amour. Croyez en l'amour. Faites l'effort de vous aimer, de vous mettre ensemble. Et quand il y a des litiges, quand il y a des conflits, il faut faire l'effort de s'asseoir et de se parler. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas régler comme on a l'habitude de le dire. J'ai été très ravie de vous présenter cette émission. L'amour est aveugle, mais le mariage, lui, rend la vue. Georges Christophe, merci. L'émission est terminée, on va retrouver Bomba Amisara sur scène. Elle va fabriquer sur la scène son boss, n'est-ce pas? On se retrouve demain pour un autre C'est Midi. Merci, on vous embrasse, on vous embrasse, on vous aime trop. Faut pas envier, tu connais pas l'histoire. Faut pas gâter, ne mets pas au milieu. Faut chercher pour toi. Cesse de souffrir avec ton homme. Demain tu seras heureuse. La galère vient avant le bonheur. Faut semer pour récolter. Pour exemple, si Moya d'Asalfo, regarde Jenny de Yaya Touré, Vanessa d'Eric Bailly, Marie-France de Juma Saïdo. Si tu ne peux pas souffrir avec un homme, tu resteras une maîtresse. Ce n'est pas à cause de tes jeux de reins qui va laisser sa femme de galère. Ma chérie, tous les boss sont occupés, faut créer pour toi. Bébé de carine.